Chaque demoiselle d'honneur est différente. Certaines sont très bonnes, d'autres très méchantes. Regarde la nouvelle vidéo de Wouhou sur la façon dont les bonnes et les méchantes demoiselles d'honneur se préparent pour un mariage. Je veux un mariage comme celui de Barbie et Ken. Et vous serez mes demoiselles d'honneur. Les filles, on va jurer qu'on sera meilleures amies pour toujours. Les filles, vous voyez quelque chose de différent chez moi? Regardez, ma bague! Fred m'a demandé en mariage. Ce qui veut dire que vous pouvez enfin être mes demoiselles d'honneur. Waouh, c'est une nouvelle incroyable! Un toast aux meilleures demoiselles d'honneur et aux meilleures amies. Chérie, où est ma bague? Pourquoi est-ce que tout le monde va se marier sauf moi? Chérie, ma meilleure amie se marie. Je vais être la meilleure demoiselle d'honneur de tous les temps. Je suis trop contente. Je vais être la pire des demoiselles d'honneur. Hé ma belle, je peux avoir ton numéro de téléphone? Désolée, je suis fiancée. C'est une fête extraordinaire! Mais Eva va tout faire pour tout gâcher. Prends une photo de nous, je l'enverrai à mon fiancé. Ce mec est le complément parfait de cette photo. Maintenant, j'ai une preuve pour ruiner la relation de Jennifer. Envoyez! Jennifer, mais qu'est-ce que c'est? T'as embrassé un mec en boîte? J'ai vu les photos. Oups, faut que je rattrape la situation. Hé, toi, viens ici. Serre-moi bien fort. Non. Tu vois, Fred, c'était le mec de Penny. T'as pas à t'inquiéter. La fête peut continuer. Grâce à la bonne demoiselle d'honneur. Dans le cadre de l'organisation du mariage, on choisit un faire-part. Regardez, j'ai choisi quelques options mignonnes. Laquelle te plaît le plus, Jen? Ouh, ils sont tous si merveilleux! T'en penses quoi, Eva? J'ai quelques options pour toi aussi. Tout dans les couleurs les plus sombres. Parce que le jour de ton mariage devrait être un jour de deuil. Ta liberté meurt et ton cauchemar commence. Des bébés qui pleurent. Un nettoyage constant de la maison. Hein? Des montagnes de vaisselle sale. Ta vie est finie. L'écoute pas, Jen. Le jour de ton mariage, c'est le beau début d'une toute nouvelle vie. C'est le plus beau jour de tous les temps. Faisons notre liste d'invités. Fred participe aussi. Oublie personne, hein? Attendez, on a oublié tous ces invités. Voilà une autre liste. On doit les inviter, n'est-ce pas? C'est quoi ça? C'est qui tous ces mecs? Une liste d'ex? Jennifer, c'est tes ex? Tous ces noms-là? Mais Penny peut encore rattraper la situation. Vas-y Fred, ce sont mes ex! Comment ce type de liste est ici? On garde ça pour mon mariage! Oups! Avant le mariage, la mariée mange une tonne de nourriture sucrée. Les demoiselles d'honneur doivent l'aider à ne pas manger de sucre. Ou pas! Ce dessert a l'air trop bon, Jen! Mange tout ça! Non, Jen, donne-moi la fourchette! Tu veux pas rentrer dans ta robe de mariée? Allez, juste un morceau, Jen! Pense à la robe! Oui, mange-le! Non, ne mange pas! Ne me contredis pas! Pense à ton mariage! Qu'est-ce qu'elle va choisir?
La bonne demoiselle d'honneur gagne. Quelle délicieuse salade! Je veux porter mes bijoux de famille à mon mariage. Voyons si je peux les trouver. Eva, tu veux bien tenir l'échelle? Allô? Oui, j'arrive. Aide-moi! Pauvre Jennifer! Eh ben, qu'est-ce qu'elle porte maintenant? Ouh, un beau nouveau collier! T'inquiète pas, chérie, il sera guéri d'ici le mariage. Selon la tradition, il faut donner à la mariée quelque chose de nouveau ou d'ancien, mais certainement quelque chose de bleu. Penny cherche un cadeau. Oui, le voici! C'est le chemisier parfait pour Jen. Donne-le-moi, je l'ai vu et je vais l'acheter. Non, je l'ai vu aussi. Donne-le-moi. Non, toi, tu vas me le donner. Cette chemise vient avec moi. Eva a une solution plus rapide. Il faut trouver quelque chose de vieux. Merci beaucoup, sans-abri. Voici l'enterrement de vie jeune fille. Oups, voilà ma rivale du magasin. Oh, c'est gênant. C'est l'heure d'offrir les cadeaux. Merci les filles, c'est trop gentil. Wow. Wow. Quelle belle chemise. Et ça, c'est quoi? Quelque chose de vieux, un truc de bleu? Et un truc qui pue aussi! Ah, merci, Eva! Eva veut gâcher l'enterrement de vie jeune fille une bonne fois pour toutes. Allô, la police? Je vous signale une infraction au règlement sur le bruit. Qui est là? J'ouvrirai la porte. Oh, c'est les flics! Attends, attends, ce sera une grande surprise pour la mariée. Donc, c'est pas un vrai flic? Amusons-nous, les filles! T'as été une mauvaise ou une bonne mariée? Salut, on a acheté nos alliances! Tu peux les garder jusqu'au mariage, mais les perds pas, hein! Jennifer est tellement naïve! Eva a tout de suite oublié les alliances! On va choisir un gâteau. Aucun d'entre eux n'est assez bon. Ils sont tous horribles. Et le mariage arrive bientôt. Tu sais quoi, Jen? Et si je faisais ton gâteau de mariage? Merci, Eva, c'est trop gentil de ta part. Eva prépare le pire gâteau que le monde n'ait jamais vu. Elle a fait un sort à la pâte en la préparant. Ce mariage est condamné. Le gâteau est terminé. Profitez-en. Alors, vous en pensez quoi?
Oh mon... Oh, c'est tellement incroyable! Mmh. Oh! What? Waouh, c'est un gâteau de mariage si délicieux! T'es la meilleure, Eva! Qui l'aurait cru? Enfin, le jour que nous attendions tous. Le mariage est arrivé! Oh, c'est tellement émouvant! Mais Eva a encore un truc méchant à faire. Elle fait trébucher le marié. Il prend dans ses bras. Calme-toi, méchante, c'est ton imagination. Non, sortez d'ici, mauvaise pensée. C'est ma meilleure copine, après tout. Elle et Freddy, c'est un trop beau couple. Et maintenant, échangez les alliances. Qu'est-ce que c'est? Où sont les vrais anneaux? Eva? Tu as aimé nos demoiselles d'honneur très différentes? Alors commente-y dessous et dis-nous si toi tu t'es déjà préparée pour un mariage et si les demoiselles d'honneur étaient bonnes ou méchantes. Et toi, abonne-toi à notre chaîne, like cette vidéo et clique sur la cloche. Ne rate pas les nouvelles vidéos amusantes sur Wouhou!